Et noisettes. salut à tous, on est sur l'épisode 76 et il paraît qu'il y a de la cyanure dans les noisettes, ce qui fait que quand on en mange trop, on peut mourir. Bonjour tout le monde. Les amandes. Ouais, bonjour. Et les amandes, ça tue. J'en parlerai à ma femme, elle me dira. Déconnez pas, les mecs. Bon, désolé si vous entendez des bruits de mouchoirs ou si je tousse, je suis malade. J'ai essayé de me muter, mais voilà. Comme dirait mon médecin, au pire, tu meurs. Voilà, c'est ça. Ah, tu vas souffrir de décès. Oh, je tu meurs de cancer. J'avais du cancer, tu meurs. Alors, donc, nous avions essayé vous de... Vous voulez pas essayer d'aller dans la cour à côté de nous, là? Si, attends. Si on fait ça, oui, ça fait quoi, toi? C'est la suite de... C'est vrai? Non, mais non, mais viens par ici, là. Tu sautes là-dessus? Oui, mais on n'est pas tous des cabris comme ça. Hein. Tu vois le gros machin qui a une épée qui fait 3 fois ta taille de l'autre côté? Tu vois le truc qu'on a buté 250, là? Oui. Attends, 2 secondes. Antinor, c'est bon? Il est pas réussi à venir, notre ami. Attends, le mage. Pourrait sauter sur le toit. Est-ce que j'arrive à faire sortir le son dans mon casque plutôt que je sais pas où là? C'est pas marqué. Attention. Mettez-vous en secret. Est-ce que si on passe de l'autre côté, ça peut le faire? Ça dépend par où il va faire son demi-tour, mais une chance sur deux qu'on commence le combat maintenant. C'est ce que j'ai dit. Ah ouais? Bon, attendez, j'arrive. Deliveroo, bonjour. Ah. T'es en combat là? Non mais on va pouvoir bientôt l'attaquer donc. Alors en fait j'ai sauté juste devant sa gueule. Hé hé hé, bonjour. Ah par contre bonjour, il joue avant moi là, bah. C'est embêtant. Quand même. Oh merde, je vais m'en emballer ton dans les mains. Voilà. Oh. J'adore. Non pas ça, Ran. Le game. Moi j'adore ce petit carreau à la fin à chaque fois là. Eh mais... kiffé, hein. Comment ils ont battu les couilles de toi, ça me tue. Bah oui, bah il a pas d'arme de corps à corps donc forcément. Ça, ouais, c'est après coup je me suis vu l'arbalète, l'attaque d'opportunité au corps à corps. Peut-être que ça n'est pas. Attends. Oh eh, vous voulez voir? Non, je suis immobilisé, putain. Attends. Comme si t'avais besoin de stades, bouger. Fais-toi plaisir, ouais, mec. Je te le. T'es un mage, je sais pas genre t'as besoin de bouger. Ouais, l'attaque de poignée électrique, vu qu'il est censé prendre des dégâts de... Vous avez vu combien je lui ai fait? Ouais, pas mal. Je lui ai fait plus de 102 points de dégâts dans la gueule. Ah non. Non, 50. Ah non. Oh non, je suis déçu, j'ai vu le 9 qui s'est superposé au 4, j'ai dans cru que j'avais fait 93, j'étais à waouh. Là, dans l'idée, faudrait qu'on le tue à ce tour-ci. Comme Arda, il peut pas se déplacer, il meurt à l'explosion. D'accord. Comme ça? Ils vont vraiment le faire. Il va se taper. Ah non, il va se misty step l'enculé. Attends, mais nous aussi on va décéder dans l'opération. Moi non, personnellement, il me reste tout mon mouvement donc j'ai pas de problème. Moi je joue avant vous quand tu m'en fous. Ouais, bon. Moi, je peux pas m'échapper moi. De toute façon, il prend 2 tours explosés, je pense pas qu'il déclenche son auto truc maintenant. Enfin, c'est tout. Ah, j'ai pas réussi à le tuer. J'ai mis Temple the Big Folk dans la gueule. Bon, dans le doute. Il a bien goûté. Dans le doute, je prends 50 mètres. Exactement, dans le doute, je choisis la fuite. Ouais les mecs, je m'en occupe, hein. Continuez comme ça, c'est vachement bien ce que vous faites. Ah ça va, je te les stun. Oui. Oui, mais je crois qu'il s'en bat les couilles d'être stun. Ah non, il est bien stun. Ah non, il est bien stun. Hein. Est-ce que t'as vraiment envie de faire Sard? Oui. D'accord, je vais essayer alors de m'échapper. C'était bien. Voilà, c'était mon mouvement. C'était. Waouh! Tu restais à ton saut, hein? T'aurais dû le jump? Non, parce que c'était. Le jump, c'est. C'est un. Ouais, exactement. Mais il faut 5 mètres de. Dans 3 mètres de déplacement et j'avais pas les 3 mètres. Ah. Arda réfléchit beaucoup trop. Pérou. Après, si on le tue, il explose pas. Hein. Si. À 1 PV, il explose quand même. Ah bon? Ouais. Il est stun, hein, y a pas d'attaque d'opportunité. On sait pas ce que je cherchais. Non. Oh, je suis un peu déçu. Regarde. Non.
Non, mais on est entre gens civilisés, tu vas pas exploser maintenant. Non, mais monsieur. Let's go. Bande de gros connards. Putain, mais bah, c'est quoi ce groupe? Moi j'étais contre. Moi j'étais contre. Bah, vous savez quoi? Rien que cette action là, ça m'a refait ma journée. Tiens. Connard. Ça t'apprendra. Oh là là. Putain, et toi je peux pas te. Ah si. Et ça commence. Allez, les racailles, ça dégage. Bon. Est-ce que je crochette la porte? Oui. Oui. Ah, mais c'est la fabrique des bestioles. Bah oui. Oh. J'ai pas compris. Bon, vous voulez peut-être que je... Viens là, Katox, on va se soigner peut-être un petit peu parce que... Attends, parce que quelqu'un ouvre la porte. Eh, hey, attends, regarde, je t'ai jeté par terre, ça a mis du sang, donc techniquement, ça pourrait être une technique. Je pourrais te jeter pour faire sortir le sang de ton corps. C'est du sang instable. C'est-à-dire non, si... non, me tire pas dessus, me tire pas dessus, non, me tire pas dessus. Promis, je vais... promis, je te tire pas dessus. Tire sur non, le mais sang. Non, tire pas sur le sang non plus, tire pas sur le sang, j'ai mis une potion. Je sais pas si le sang il explose. C'est vrai si... Ouais. Ah, si... Non, explose au contact du feu par contre. Ah, vas-y, recule, voilà. On va tester. Non, Non. Déception sur 20. Eh, vous m'avez fait consommer deux grosses méga popos là, c'est vraiment. C'est en tout. Total c'est quoi, là-bas. Il y a un sac à dos. Oh. Pourquoi il y a un piano? Il y a un mémo du submersible. Peut-être le truc qu'il fallait trouver. J'ai vachement tout compris. Moi je crois qu'il y a un truc au-dessus d'un rotophile géant. Ici il y a un jet de perception. Attendez, je vais vous mettre guidance. Il paraît que j'ai un objet qui fait ça. Ah ouais, là. Ouais. Tiens, ouais, c'est qui veut... Viens là où je suis, là. Viens me voir. Il faut perceptionner ici, je pense. Tiens, guidance. Voilà, allez. Va comme le vent, pile poil. Allez, let's go. Oh. Bravo. Ouais, super, trop bien. Il a trouvé une vente. Super, allez, let's attends, go. Attends, je tente un truc. Ouais, tu peux te transformer en gnome et tu peux passer dedans, je pense. Hop là. Faire du Splinter Cell. Cassique Catapis. Tu veux qu'on fasse la compagnie des gnomes? Bago, bah, t'es plus mignonne quand même. J'ai réussi à jeter perception. Ah oui, mais c'est juste pour avoir. Ah, on est là! C'est sur le toit là? Pas du tout. Super. Super. Par contre, attendez, j'ai une charrette à casser pour regagner de la vie. J'arrive. Là, il y a plein de carafes d'eau hein, si jamais où on est. Il y a du saucisson. Tu peux casser du saucisson si tu veux. Ah, grave. J'arrive. Est-ce que tu veux casser du fromage? Il y a des petits pains fourrés. Ils ont des points de vie ou pas? Non. Ouais, mais moi il me faut une structure qui a des. Ah, il y a un burlap sac si tu veux avec 4 PV juste là. Il m'a regardé de travers et il m'a dit que. C'est vrai? Ouais. Enculé. Vas-y, ouais. Dégage. Tiens, prends ça. Et il y a lui aussi qui est gros vicelard. Lui, il m'a susurré des mots. Bon. Tiens, le sac de jute! Tiens, fils de jute. Voilà, exactement. Tiens, le sac à dos par terre! Allez! Prends ça! Je viens de me faire 30 PV là. La fashionista, tu sais. Pourquoi il y a plein de cercueils? Pourquoi je. Ah, c'est bon. Ah oui, c'est vrai que vous avez pas encore connaissance de comment que ça fonctionne. Weird, attends. Oui, bonjour. Il y a une caisse en bois. Vas-y, casse-lui la gueule, casse-lui. Il y a un tonneau là, je l'ai vu là. Il m'a mal regardé, il pense que je suis plus petit que lui. Tiens, dégage. Ah, il y a une caisse, attends. Tu la caisse. Non, mais attends, je suis pas full vie, hein. Ah, pardon. Ah, oui, c'est vrai que moi ça sert à rien. Est-ce qu'on est censé tuer tout le monde et tout détruire ici? Je sais pas, mais moi je casse des caisses. Faites ce que vous voulez, vous. Bah, je peux appeler un mage. Là, il y a un tonneau, là, il y a un tonneau. Peut-être moyen de faire un coup en mode. Il y a plein de gens qui vont finir dans un de mes spells. Et ils vont prendre très cher, mais c'est seulement si. Mais on leur parle là ou pas? Non. Ah, mais attends, on peut aller là. Alors, les gens en vert, quand même, c'est des copains, on va pas se mentir. Vous êtes où en fait? Bah moi je suis avec toi, attends, j'arrive. Ah non mais c'est bon, ils sont là, ok. Non, je me demandais où ils étaient eux, parce que bon, nous on s'est amusé, moi je me suis amusé là, mais... Oui, Are the Night. Exactement, Ishbin la nuit. Ah, Dubis la nuit. Par contre je sais pas où est passé Katox. Ishbin Dernart, Desnart. Desnart. Je me suis infiltré. Moi je sais plus. Kaloum. Mais regardez tous ces gardes inachevés, vous avez besoin de nous. J'ai faim.
T'as trouvé quelque chose d'intéressant, Katox? Un escalier. Vous êtes où? Ah oui, là. Ah oh, non, mais là, attendez. Tiens. Vous voulez pas qu'on... Mais attendez, faut leur parler aux gens, là. Ouais, on pourrait nettoyer la... Ouais, c'est vrai qu'il y a des cercueils. Quand tu dis nettoyer, ça veut dire tuer tout le monde, on est d'accord. Où est-ce qu'il y a des cercueils? Oui, alors, juste devant moi. Un peu partout. Ah, oui. Tu vois. Bon, moi, je vais leur parler. Alors, moi, je propose hein, peut-être que pas tuer ceux qui sont envers ce que je dis. On peut-être non, mais... éviter... Ouais, mais j'ai l'impression que personne veut leur parler. Moi, j'ai envie de savoir ce qui se passe, là. Donc, attends, okay, je te laisse leur parler, et moi, je me prépare un grand sort de zone pour leur mettre sur la gueule. Bah, ouais. Dans l'idée, c'est sûr que ça aurait été mieux que ça soit le gars charismatique qui leur parle, mais manifestement, il veut pas, donc... Ah, je sais pas, là, je crois qu'il va être en train de se refaire les moustaches, enfin, les... Attends, je viens d'ouvrir la porte, attends, je viens d'ouvrir la porte. C'est vrai, il faut que je... Alors ici, il y a une arbalète turbo-pété, hein. Je suis désolé, mais je vais... Elle donne hâte ou pas? Non, mais elle fait des trucs bien énervés. Oh bah non, bah t'as déjà un arc, quoi, c'est bon. Non mais, casse pas la porte, enfin. Elle est pas cassable. Je suis la nuit, je suis invisible. Et c'est ouvert. Bon. Oh, il y a une flasque d'huile, je la ramasse. Moi, je suis en position. Moi aussi, je peux faire très très mal. Alors, on est en position. Ouais. Je sais pas pourquoi je sens que je vais crever encore. T'inquiète, ce sera pour la bonne cause. Quand tu me dis, hein, quand tu parles comme ça, je. Je vais leur parler. Bonjour. Est-ce que si je jette ça sur. Attends, mais faut pas les taper tout de suite. You cut out my eyes. We will bow no more. Gondians! Rip the motivation! Ah non, le timer il se barre. Ah! Ah bah parfait, très bien, ça laisse. Tout ça pour ça? Bon bah. Alors attendez, bougez pas, j'arrive. Ah non, t'es dans mon. Bah je suis sur celui le plus extérieur. Ah oui, mais moi je tape loin, et fort. Attends, parce que. Ouais. Il y a peut-être moyen que. Ah mais bien évidemment, bien évidemment. C'est pas grave, il a de l'esquive. Moi j'ai de l'esquive, eh, faut pas tuer les gens en vert, hein. Non, mais vraiment, non, ça déconne pas. Ah ouais, mais du coup je peux pas faire un sort de zone, moi. Mais il y en a 4 là, tu vas te débrouiller, non? Bah oui, mais moi j'ai une très très grande zone. Oui, mais bon. Est-ce que, bah vas-y, balance ton truc et comme ça moi je pourrais mettre une tartinade derrière. La chaîne d'éclair, je sais pas. Sois inventif. Oh, ça a raté. Non, la chaîne d'éclair ça pourrait tomber justement sur les gens. Ah. Par contre, dépêche-toi parce qu'il va plus y avoir d'ennemis à bagarrer là. Voilà, très bien. Hop là, attends. Bon. C'est possible. Ah. Est-ce que tu... Oh lui. Ouais, alors lui. C'est moins pété que ce que j'aurais pu faire. Incroyable. Ça m'a redonné des actions, c'est si bien. Est-ce que je peux en tuer un ou... Tiens, il est mort. Tue l'autre. Tue le. Lequel? Celui qui est à côté de moi, comme ça je peux aller taper l'autre. 13 PV ou... Ouais. Je peux pas le taper. Vas-y, moi j'ai déjà tué quelqu'un donc ça me sert à rien de le tuer. D'accord, ok. Tiens, voilà, t'as été bien jugé. Bien joué, hein. Voilà. Oh. Non. Mais c'est quoi? T'es qui pour donner des infos? Je clique. Ouais. Ressources insuffisantes, action. Non. C'est le seul motivateur qu'il faut cliquer. Ouais, motivateur, il faut cliquer dessus. Ah bah moi aussi. Note et d'œuf, ressources. Oh la vacherie. Okay. Ça, c'est dommage. Est-ce que je peux le tirer dessus? Bon bah ce sera pour Arda. J'ai essayé mais ça a fait zéro. Bah t'as un Misty Step, non? Mais t'as déjà lancé un sport, t'as plus d'action, bah tant pis pour eux. Ils vont se faire motiver. Attends, attends, on n'est pas en route de surprise. Ah, y a des chances. Non, je pense pas. J'sais pas du tout. Bien. Bon bah Ah ouais, peut-être qu'ils vont pas se faire motiver genre ce tour-là, peut-être que. Non mais par contre, il aurait pu le désactiver son motivateur. C'est vraiment un débile. Ils ont autour du coup, je crois qu'ils ont pas le droit d'y toucher. Ouais, ils nous ont vu faire la bagarre, ils ont été impressionnés. Ah mais c'est des fous de mage, hein. Et là, Arda, c'est à toi, t'as des trucs, là? Bah j'ai des actions bonus, et puis c'est tout. Ah bah dommage. Et bah, c'est t'as pas un truc, un sort pour défoncer le truc, machin, là? Non. Il essaie de tirer dessus, mais c'est pas possible. Mon dieu, un gnome grandi. Il est de taille normale. Ah j'avoue. Ah ouais. Tiens, regarde, je t'ai volé ton nez. Ah bah non. Bah manifestement, non. Putain, bah ça va, c'est... Eh oh. Ah.
Personne ne veut me taper manifestement. Le 20 points de psychique, putain. Ah, pas dégueu. Ah ouais, pas mal. Oh lui. Oh la flèche d'acide de Melf, bien joué, ça t'as tapé ton pote par contre, tu fais gaffe. Pas de terrain en fait. Ah. Oh, domination de personne. Bon bah alors le gauntlet là. Toi mec. Ok, c'est bon. C'est désactivé. J'ai fait 9, il fallait faire 5. Tu t'occupes de désactiver? Attends, je vais me désactiver le black. Est-ce qu'il y a quelqu'un désactivé là? Il y a quelqu'un qui a pas de PV là? Bah attends, tu veux que je sois désactivé? Ah, je veux bien que tu m'en réduises un peu là. Tiens, voilà, ah, c'est incroyable. C'est bon? Ça, on aurait pas pu faire mieux. Je viens de faire un échec critique sur le premier coup. J'ai envie de mourir. RIP. Bien, connard. Tu tues ou? Bah, du coup, non. C'est dommage. Ah, attends, du coup, je me heal, ça sert à rien, mais je me heal. Peut s'arranger. Tiens, voilà, allez, bisous. Voilà du boudin. Ah, il faut à chaque fois tous des. Ils ont tous des motivateurs. Oh non. Ah oh, bah faut cliquer dessus mais... Non. T'inquiète, je pourrais faire quelque chose. Après j'ai encore Action Surge. Est-ce que vous voulez que je... Turbo Bagarre ou... Bah Turbo oui bagarre. Parce qu'en soi, il en reste que deux donc en soi... Turbo Bagarre. Bonjour. Et la Turbo Bagarre. T'as été jugé indigne. You deemed... NON Mercy. C'est la turbo bagarre. Bon, je sais pas pourquoi je sens ça, mais on va dire que c'est la maladie qui parle. Oui. C'est ça. C'est la bagarre bleue. La bagarre la plus belle. Putain, mais quelle voix de... C'est le con de... Merde, je me souviens plus des paroles. C'est elle qui nous ensorcelle. Celle qui nous ensorcelle. Allez, la. Ah, t'es bien, faudrait que tu passes ton tour. Ah, putain, excusez-moi. Y'a pas de souci. J'ai cru que j'avais appuyé. Hop, voilà. Et pourtant, il semblerait que tu es obligé. Exactement. J'ai envie de. Crever. C'est la chamable. Ah putain. On avait appuyé sur tous les petits buts-sons des trucs qui étaient au premier tour, hein, on est d'accord. Bah ouais, il en reste un. Ah, il est plus en lévitation celui-là. Oh, super. Le goat. Ça fait quoi? Wow. C'est plus 5 PV bonus. Pom, pom, pom. C'est mieux que 0. C'est pas faux. Poggers. Ah, le pauvre, il kiffe. Il cliff blur, hein. Franchement, il... Ah, bah, c'est le mien. Vas-y, voilà, prioritaire. Gauche. Tu veux que je le rapproche? Attends, si tu veux, je te le ramène. T'inquiète. C'est dommage, j'allais te le livrer. J'allais te faire un Deliveroo, tu vois, moi, je, gratuit. Ah, c'est cassé, Deliveroo. Oui, mais là, justement, ça aurait été le casser le site. Oh, il y a une petite clef. Il y a une clef avec une masse infernale. Kill Switch Protocol. Et qui, Obelia? Je sais pas, oh, je sais pas moi. Ah, je suis un Gumbird. Mais comment ça se fait que j'ai déjà plein de merde dans mes sacs? Tiens, je t'envoie un petit papier, Arda. Paf. Pas de ma peau. Mm-hmm. Regarde la cinématique. Après, ça dégage. J'ai peut-être pu t'envoyer des choses avant, mais... Ouais, mais j'ai plein d'anneaux, c'est quoi tout ça? Oh, je peux pas être aveuglé. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on a compris là ce qui se passait? J'ai pas tout pigé, hein. En gros, il faut mettre la bombe sous le neuronateur. Allez, hop. J'ai vu, hein. T'as vu quoi? L'armure qui arrivait dans mon sac. Ah, il y avait une masse bleue, je me suis dit, c'est les masses paf, quoi. Ouais, la masse paf. Les masses paf. C'est ça le neuronateur là? J'ai de... Attends, est-ce qu'on a... On est allé là-bas? Il y a un truc et tout là-bas. Il y a un escalier pour descendre et tout, vous voulez pas aller là-bas? On arrête de chanter, ça t'inquiète? Non, mais c'est plus que... Je veux dire, là-bas il y a des trucs. Vous voulez pas finir avant de descendre?
Il y a un monte charge. Oui, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une autre pièce. Dans l'autre pièce, il y a des trucs. Attendez, parce que ici, moi, je sais que, ouais, je normalement, je peux faire. Putain, l'arbalète, comment on l'a fait déjà? C'est plus qu'il y a un escalier, quoi. Oui, ça, moi, je préfère prendre l'ascenseur. Attends, faut que je prenne le bras. Hein? Le bras? Ouais, je prends le bras du... Qu'est-ce qu'il nous fait, l'autre, encore, là? Eh, attendez, vous voulez voir? Je peux, techniquement, je peux prendre... Tu veux voir mon bras? Allez, bientôt, tu le verras plus. J'ai pris... Je peux porter l'épée du Steel Watcher qui pèse 100 kilos, mais que je ne peux pas utiliser. Bien joué. Donc, bah, je vais jeter l'arme. Voilà. Well played. Et du coup, ton arbalète? Bah, là, j'ai le bras, donc je cherche l'arbalète. C'est sur les petits repose, enfin les petits présentoirs. Il y en a peut-être un où il y a une arbalète et il faut que je trouve l'arbalète. Et je sais plus où elle est. Ah, Steel Watcher, Helmet. Non, c'est pas là. Helmet, t'as dit? Ouais, je sais pas, peut-être qu'il faut que je l'ai. Je sais plus. Là, j'ai trouvé une serviette. Ça t'intéresse? J'ai trouvé des plans de l'arbalète. Jamais sorti. Ah, t'as les plans de l'arbalète, super. J'ai un module de visée. Ah, ouais, ça c'est bien. Et t'en as plein des choses. Katox. Ah là, j'y vais. Great Axe. Il y a plein de... T'es où, Katox? Tu là, les as récupérés ou... Là, non, c'est là. Et les Target plans... Target module, parfait. Et les plans, ils sont genre ici. Ouais. Ah ouais, bah j'arrive. Watcher Great Axe. Katox, il a déjà tout exploré. Bah, il a déjà fait le jeu, quoi. Normalement... C'est quoi l'écran de scrutation? On peut cliquer dessus? J'ai pas cliqué dessus. Maybe not. Marche pas. Peut-être pas. Bonjour, où sont les plans? Pardon, excuse-moi. Mais non, mais je te les file après, je fais mon arbalète et je te les donne. Et tu l'as fait comment? C'est quoi? Je vais sur la table. Ouais. Et je mets des trucs. Il fait crouche. Ouais, je me sers de mon cerveau. De ton bras. C'est venu avec quoi, hein? De ton. Oh, j'ai l'arbalète! Allez, let's go, je me rappelais. Attends, j'ai la une. Messieurs. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir! Oh, ça va, je t'ai donné un poisson à la place! Oui, mais j'ai bien vu que. Putain, j'ai transmuté l'arbalète en poisson! Eh, hey, c'est oblong, ça fait à peu près 30-40 cm. J'ai envie de te dire, c'est un bon carreau! Peut-être que ça n'envoie pas les mêmes sorts que sur la merde, sur la balette. Ah parce flèche que là maintenant... Flèche de foudre, plus 2, et c'est quoi le troisième spell? Bah flèche de foudre... Repositionnement, je peux... attire la création à vous, ah c'est bien. Donc c'est pour ça tu vois, genre 9 mètres plus près de moi. Comme ça, quand on sera... Près de moi... Ah non c'est pas, on n'est pas dans le bon registre. Un peu plus près des étoiles. Ah mais c'est mieux, voilà. Au jardin de lumière et d'argent. Du coup est-ce qu'on prend l'ascenseur maintenant? Ouais. Ah, j'ai un casque qui file, qui empêche d'être aveuglé et qui en plus permet de faire des jets de course en avantage. Si c'est un. Bon, donc vous avez des casques de fou maintenant. Voilà, non, mais c'est surtout que c'est un casque lourd. Mais je sais pas, il y a un escalier là, ça me trigger de ouf. Il y a marqué quoi? Plaque d'avertissement du laboratoire. Je crois que Katox est déjà descendu en bas, non? Ah, non, non, moi je suis toujours. J'attends. T'avais pas descendu l'escalier? Il est où l'ascenseur? Ah oui, l'ascenseur il est là-bas. Moi j'ai très envie de prendre cette porte, il y a marqué qu'on n'a pas le droit de passer, ça a l'air incroyable. Bon, moi j'ai envie de cliquer sur le levier. Bon, j'arrive. Passe le levier! Tire le levier, cron. Celui-là! On fait deux équipes de deux. Oui, tu me diras, c'est pas comme si on allait mourir, mais dans l'idée, ça serait bien qu'il y ait au moins quelqu'un avec des PV dans chaque équipe ou quoi. Ouais. Ça serait bien en fait que vous viendiez parce que. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'arrive. Il y a la baston. Baston! Ah ouais, la bagarre en bas? Ouais. Et pas pour rien. On est arrivé et c'était la bagarre. Ah! Mais. Il se battait déjà? Arrêtez de vous battre! Comment ça il se battait déjà? Comment on fait? Mais là je vais pas cliquer. Ah mais je peux cliquer sur le levier encore. Impossible à atteindre, bah super! Parce qu'on gêne. Bon bah c'est pas grave, je viens, on descend par l'escalier. Allez, let's go! On a l'impression que c'est un sketch. Est-ce que l'escalier ça va mener au même endroit? Ah, c'est possible. Maybe. On a parlé au petit gdo? Ou quoi? J'ai parlé à personne. Vous avez parlé au gnome ou pas? Il a dit blabla, ma fille, j'ai fait, j'ai une bombe. J'ai une bombe, il a fait d'accord. Ah ouais, l'aveugle, on est d'accord. Ouais, mettez-le sous le neuronateur. Que je ne sais pas ce que c'est. Alors, je t'ai vu passer au-dessus de la porte et t'as disparu.
Ah bah tu vois. Je vous vois. Messieurs, bonjour. Incroyable, il y a tellement de trucs. On bat de blé. Ah putain, j'avais balancé une bombe, mais il y a le toto au milieu là. C'est pas grave. Oh, mais est-ce qu'on s'en fout des dommages collatéraux? Il y a des tonneaux d'huile un peu partout. Hein. Bonsoir. Bon, maintenant il y a aussi un moine dans le tas. Oh, attends. Eh, franchement, tu t'échappes et après je vais me servir de ma nouvelle arbalète trop bien qui fout. Est-ce que tu pourrais sortir et te mettre là après? Attends, mais je viens d'attaquer deux personnes, j'ai loupé les deux. C'est quoi leur concept là? Ok, c'est juste moi qui suis une merde. Bah, non mais vas-y, fais-moi péter la cervelle. Vraiment? Ouais, t'inquiète, j'esquive tout moi. Je suis un moine. Bah, c'est parti. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, j'ai esquivé. Oh, et ça balance. Oh non, ça a consommé toutes mes actions, c'est fou. Allez. Bon bah, c'est décevant, hein. Ouais, je suis très déçu. Ah, mais non, mais je devais être en arme cac et c'est pour ça, Switch, ça m'a utilisé une action, je suis bête. Qu'est-ce que je peux faire? Eh, ça te dit que je mets du crawler mucus? Ah non, tu peux les stun, toi, les gens? Ouais, mais ça me met pas de points de résonance pour les faire péter, donc... De? Bah, de mettre des points... Enfin, de les stun. Est-ce que... Eh oui, bah, c'est savoir si tu veux que je mette un poison ou pas. Bon, vas-y, je mets Fais ce que tu veux. Allez, on est fou. Cotted. Paf. Moi, j'ai lancé hâte. Hein. Putain, j'aurais pu me rapprocher, je suis con. Ah, le rainstone. Alors, petit parchemin, est-ce que j'ai un truc de domination de personne? Ou alors, attends. J'ai déjà fait une domination de personne, mais si t'en fais une deuxième, ouais, c'est drôle. Bah oui, c'est bien ce que je me disais. Non, en fait. Il n'y aura plus d'ennemis. Ce petit goût de noisette, vraiment, il est très sympa. C'est le petit chemin. Il sert la noisette. Il sert la noisette. Mais rappelle bon, où est-ce qu'il est le truc de domination de personne là-dedans? C'est bien l'idée. À part dans mon cul. Ah, bon, bah, si c'est pas ça, je sais pas. J'aurais précisé dans son anus. Ouais. Ah, mais attends, mais. Mais y'a un cadavre dans le truc? Mais quel enfer! Quel truc? Bah là, regarde, j'ai ping un truc là. Attends. Non mais la caméra qui casse les couilles. Ah, regarde ouais. Là. Oh, Voilà. Et le mieux, le mieux, je crois que c'est celui-ci. Il y a un bras qui sort même. Ouais, pas mal. C'est beau ça dans le Catox, hein. Ouais, pas mal. On a beaucoup de copains avec nous. Après, faut qu'ils ratent leur test. Hein. Ah non, poignée électrique. C'est pas des gardes d'acier, c'est juste t'as des cadavres dans une grosse armure en acier, quoi. C'est ça, c'est un truc de mort vivant en fait. Comme ça. Bah, je pense que les entre guillemets amis. Malheureusement. Mais ça c'était utile ça, dis donc, il est parti pour revenir, mais vraiment. Par contre, en vrai. En vrai de vrai. C'est le principe là. Quoi? Les mecs en vert. C'est eux qu'ont donné la techno. Ouais, alors, il n'y a pas vraiment de notion de données, je pense. Au début, ils ont été un peu forcés de faire un truc et après ils ont créé un truc fonctionnel et après il a fait hey, bah maintenant vous bossez pour moi sinon je vous tue. Ah. C'est une entreprise classique quoi. Attends, mais ouais. Assassin Fantomatique, c'est un spell de level combien là? Level 3, 4. Ah ouais, putain. 4 à 40 points de dommage par tour. Ah non, il nous a contre-dominé. Il a dominé notre dominance. Ouais. Ah sortir, non mais alors, ils font le cercle du soleil, les mecs, c'est... Là, clairement, franchement... Bon alors, je pense que lui, il ne va pas survivre. Hein, les virevolteurs de Pékin, quoi. Ah. Virevolteurs de Pékin, putain, j'adore cette expression. Attaque d'opportunité, allez hop. T'en vas pas si loin, il faut que je te tue, hein. Putain, il se casse vraiment, le con. Ah non. Comment dire, il va vraiment passer un sale quart d'heure. Hein. Ah non. Ah mais tout le monde s'en va. Qu'est-ce que... C'est quoi ce sort là? Bah ici des actions bonus, mais sachant que ça consomme leur action à eux, je vois pas trop l'intérêt, hein, je vais pas te mentir. C'est quoi injonction de mon fion là? Bah ce que je dis, il se file des actions supplémentaires je crois.
Injonction de Bane. Peut canaliser fureur de Bane. Cartel et la volonté de la manoir. Bah, la belle affaire, hein. Ouais, là, là, là. Ah, ah oui, d'accord, c'est vraiment... Ah, mais c'est la bataille des mages, là-bas. Hein. Non, on est bien fait pour être là-bas. Bon, bah, alors lui, je pense qu'il va plus être frightened que... Allez, bisous. Bon, bah, au moins, ouais. ça clair la zone. Bah, c'est ça, au moins, on peut faire de la WoW, quoi. Ouais, et bon, lui veut... aussi, hein, on est d'accord, il est mort, hein. Il reste 7 PV. Ah non. Il lui restait. Putain, il va taper quand même, ce con. Ah. Ok. Alors. Pourquoi... J'ai Attends, envie quoi de dire. Qu'est-ce qui se passe, là? On fera un chartress après, ah, ou pas? Ouais. Ouais, ouais. Hey. Let's go, bonjour. C'est parti. Peut-être même un long rest, parce que je commence à manquer de sort. Bonjour. Oh putain, je veux pas attaquer. J'arrive. Oui. Bonjour. Attendez. Bonsoir. Ah, c'est con, j'aurais dû faire ça. Oh, j'ai tué quelqu'un, on peut recommencer, c'est parti. Alors attends. Lui il va pas crever. Oh, esquive. Bonsoir. Bon, c'est Godwin qui a fait un truc intéressant, c'est fou. Ah ouais, mais dans l'idée... Ah si, je peux aller là sans déclencher l'attaque d'opportunité, incroyable. Ah, oh, il m'a raté, je l'ai raté, putain. Putain. Tiens, par la lumière, soyez purifiés, je vais changer mon type de dommage. Voilà. Ah, une petite popo de hâte là, ça... Oh lolo. Ah bah j'ai lancé hâte avec l'arc là, j'avoue. Mais moi j'ai pas d'arc qui me file hâte, c'est ça qui est un peu embêtant. Et j'ai pas de popo, je crois. Bah c'est pas mon tour, je peux même pas regarder si j'en ai une. Hein. Ouais. Ah mais je crois qu'on était... On en avait plus des potions de hâte, hein. On avait tout consommé comme des gros teuteux. En fait, ça fait un moment qu'on en a pas utilisé, hein. Ah oui, parce qu'on en a plus. Voilà, c'est pour ça qu'on doit... C'est faire. C'est bon, voir ce que je dis. Ouais. On y croit ou pas? Il y a vraiment des gens qui t'envoient des messages à 9h30 pour le boulot, mais genre, cassez-vous. Ah ouais, pas fait beaucoup de dégâts, je trouve. Vous devez t'avoir lancé le turbo-missile, non? Ouais. De 18 à 78 de dégâts, bon, 12 D6 plus 6. Bah non, ils ont bien tabassé, hein, tes trucs. Ah ouais, tu trouves? Bah ouais, t'as fait... Bah 2 D6 pour chaque dé, t'as fait 6 plus 6, 12, quasiment tous, ils ont... Là, sur les 1, 2, 3, sur 3 G déjà, t'es en max dégâts. Ok. Tant mieux. Ah non, ils ont tous fait 12... ils ont quasiment tous fait 12 à 13 points de dégâts, donc t'as fait la turbo max, mec. Qu'est-ce qu'ils foutent là au-dessus, ceux-là? Bah, ils sont TP. T'abuses. Ah. Je suis effrayé, tu te fous de ma gueule. Putain, c'est vraiment incroyable le nombre de gens qu'il y a autour de nous, là. T'as pas un petit AOE, toi, Mimir, là? Bah si, mais là, je vais pas pouvoir faire quoi que ce soit, parce que... Parce que quoi? J'ai un cleave. Bah, je sais pas, je suis effrayé. Mon perso, normalement, j'ai des résistes. Comment ça, t'es effrayé? Genre, le gars, il a une épée qui est plus grande que le gars d'à côté. Genre, c'est pas censé t'effrayer? Bah ouais, je sais pas, moi non plus, hein, je suis pas... Là, je suis esbobi, hein, je sais pas quoi dire. Ah mais... Attends, mais y'a un gus là-haut, là? Mais qu'est-ce qu'il prend? Pourquoi... Ah, surtout qu'il lui tire dessus. Pourquoi il tire sur son pote? Bah, il est en domination. Ah, bien. Ah, ça c'est chiant, par contre. Ah, silence. Ouais, mais c'est silence, c'est sur les mages. Bah oui, bah, c'est chiant pour les mages. Allez! Ah, tiens, voilà. Bien joué, ça. Est-ce que tu penses que je vais réussir à avoir mes deux actions ou pas ce tour-ci? Bah, je sais pas. Maybe. Moi, en tout cas, je suis prêt, je suis chaud. Prochain tour, je. Putain, j'avais pas vu. Comme il m'a effrayé, j'ai arrêté la concentration sur Hatch, Houston. Vas-y, c'est bon. Ah, ça, c'est embêtant. Ah, ouais. Oh, ouais. Bah oui, stun, là, tu m'étonnes que tu me touches. Waouh, t'as pris cher. Ouais, ouais. Bah dis-toi que si j'avais pas l'amulette, je serais mort. Alors là, je suis... Ah non, c'est toi qui es prone, même, et tout le bordel. Ah ouais, ouais, moi je suis... Là, c'est la fête chez moi. Oh, ils sont tous... Bonjour, messieurs. Clive, là. Oh, incroyable. Alors, oh, j'en ai tué un, en plus. Ah non, j'ai crit.
Alors, est-ce que tu veux que... Ah bah non, t'es... Je peux, moi, pas, je peux pas jouer, moi, donc tu fais ce que tu veux. Ah, et en plus, j'aurais tous foutu le crawler mucus, quasiment. toi, tu... Attends. C'est quoi, ce truc? Quoi? Ça serait bien. Ah non, non, ils ont réussi à sauvegarder... Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ah non, moi. C'est Katox. Tu m'as fait peur, mec. C'est vrai que je m'y attendais pas. Ah, ils peuvent plus bouger. Oh, c'est bien, ça. Oh, attends. Alors, désolé, on va prendre des dégâts. Non, non, mais je vais esquiver, t'inquiète. T'es même sûr? Même stun, j'esquive. D'accord. Tu vois, j'ai esquivé. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a dit, là? Je sais pas non plus. Séquence de motivation de Prinsky activée. Par contre, t'as fait des dégâts à tout le monde. J'ai l'impression que ce truc, les tentacules noirs, fait des dégâts à tout le monde, un truc comme ça, je sais pas. Non? Je sais pas. Ah non, bah je vais balancer une petite bombe histoire de. Ah, une bombinette quoi. Eh! C'est bon, on voit un peu plus clair là, quand même. Une bombichoune. Oh oh oh, même le PNJ il fait des trucs. Il fait des trucs. C'est bien, mec! Continue comme ça! Ah, clairement, de sa part, on s'y attendait pas, hein, on va pas se mentir. C'était pas prévu, quoi. Ah, surtout que là, à mon avis, tel qu'il se prépare, j'ai l'impression qu'il va aller casser la gueule à son pote, donc. C'est pas son pote? Ah, le Gondien qui est au-dessus, si, bah là, Ofran, là, ça a l'air d'être le copain. Ah le oui, Gondien, il est dominé par Ofran. En plus, c'est son frère! Ah ouais! Bon, oh, bien joué, l'invocation des joules. Attends, t'en as combien là? T'en as une, deux? Quatre. Quatre, ok. Ah, par contre, vous ferez gaffe, il y a deux motivateurs. Hein. Il y en a un à côté de vous de motivateur pour cliquer dessus. Hein. Mais moi j'étais obligé de me barrer parce que sinon j'avais deux gars au corps à corps là et ça me plaisait pas trop. C'est vrai que peut-être. Mais non, j'avais plus d'action moi, je pouvais pas cliquer dessus donc. Non, non, mais je suis d'accord, mais je sais pas ce que ça fait quand ça se déclenche quoi. Attends, mais on peut pas faire un T dessus pour savoir? La caméra qui bouge en perma, c'est chiant. Ah merde, quel idiot, j'aurais dû mettre le. Ah, on peut pas les examiner les motivateurs, c'est relou. Non mais faut juste cliquer dessus, c'est en gros. Quoi? Moi merci. Ça me va, hein. Je suis stun, y'a personne qui me tape, c'est incroyable. Par contre ce qui est relou c'est qu'ils étaient plein autour de nous, ils sont plus, y'a plus personne. Ça c'est un peu chiant. Fous de ma gueule là, il vient de me re-effrayer le mec. Incroyable. Il a peur et t'as sur-peur. Mais non mais, c'est relou. Attends, c'est quoi ça comme... Ouais. Ouais, viens vers moi toi, viens vers moi, c'est... Attends, effrayé c'est quoi comme stat? Je sais pas. Effrayé. Putain. Tu peux pas bouger. Ah il y a un désavantage sur les tests de Karak et les jets d'attaque. Non mais c'est peut-être de la sagesse. Ah bah voilà, ils sont pas quêtes là. Non, 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 non. C'est ah ouais bah super. Il fallait les sauver. Oups. Me barre, j'ai attaque d'opportunité du gros la grosse. Attends, je vais. Bah, tu veux que je lui casse la gueule? Je vais mettre une invocation d'élémentaire qui va faire du heal. Ah, attends, t'as cliqué sur le bidule par terre? Non, mais je pense que quand il l'a tapé, ça a dû le tuer parce que je le vois plus. Non, je pense que c'est activé parce que tous les gnomes sont morts. Ah oui! Bon, c'est bah, cool. Tant pis, hein. Bon, bah, au moins, ça règle pas. J'en ai pas eu celle-là. Oh bah tiens, il est malade lui. Tiens, regarde, tu seras encore plus malade. Paf! Est-ce que je peux le pousser? Attends, t'inquiète, je m'en occupe. Ah, je suis chaud parce que je t'avoue que là, je suis dans la panade. Ah, je peux pas faire plus. Bah, mais le truc, c'est que je peux pas le tuer. Ouais, j'étais bête, j'aurais dû mettre une huile qui me permettait de passer au-delà de la résistance. En fait, j'ai pas envie de tout claquer non plus sur ce combat de merde là. Ah, mais non, mais attends, les armes magiques. Les armes magiques, on est d'accord que les armes magiques ça surpasse les... Ouais, ça surpasse tout. Parce que là j'ai une arme enchantée qui fait du slashing damage, donc normalement ça passe au-dessus de la résistance de base du Steel Watcher. Tranchant, ouais, parce qu'il est pas il est pas résistant aux dommages magiques tranchants. Il est résistant aux dommages magiques perforants et de feu. Bon bah c'est bon, alors je lui mets déjà la Turbo Max. Bon. Si je vais là, attends. J'y crois, c'est le jeu de la vie. Esquive, let's go. Allez, c'est bon, c'est gagné.
C'est con parce qu'il me tape aussi. Ouais, mais ah, mais j'ai plein de PV. J'avais pas vu que j'avais plein de PV en fait. Il t'a pas touché, t'inquiète. Si, il m'a mis 6 points de dégâts. Ah, c'est vrai que Aid c'est cool parce que c'est 5 PV mais elle est pas temporaire, c'est sa max. J'esquive, j'hésite. Ah, bah non. On croit que non. On n'a pas le même sens de l'esquive, c'est le mec qui se fait arracher la tête. Ah, c'est bon, je vais esquiver. C'est, il a perdu 3 dents. C'est... Oui, alors Michel, t'as tout ton dentier par terre là. L'esquiver, mes dents. Est-ce que je l'esquive son attaque à lui ou pas? Mais fais pas le con, il te reste 9 PV. Do it. Ok. Ah, je suis pas mort, je l'ai... Incroyable! Putain, tout ça pour ça! Ah, j'en peux plus. Bon, c'est pas grave. Tiens, ouais, ça t'apprendra, toi. Et il a pas d'attaque d'opportunité, lui. Incroyable, je me casse. Mais c'est pas les mêmes Steel Watcher, il y a écrit Hellfire Watcher là. Gardien d'acier du feu infernal, ouais. Allez, hein. Ils font des trucs en plus. Ils sont rouges en fait, c'est pas super. Bah, et dans et un univers où tout ce qui est rouge va plus vite. Hein. Oui, mais genre, c'est pas des orques, t'imagines. Oh, putain, il serait violé le machin. C'est vrai que je me suis bien éloigné de tout le monde là. C'est pas mal ça. T'es passé où, Katox? Je suis à terre. Ah, mais t'es par terre. Ouais, ah, on a vraiment perdu tous les gondiens, c'est. Oups. Ah, par contre, tu feras gaffe, ton heal, il heal les ennemis aussi, hein, on se souvient. Je sais. Je me souviens. Québec, vous l'avez ou pas? Ouais. Il tous les ennemis. Je peux pas. Nani c'est, la... c'est sur les plaques d'immatriculation québécoise, il y a la citation. C'est je me souviens, parce qu'ils ont des citations, tu sais pas trop pourquoi, mais. Ah ouais. Attends, je me souviens. C'est la. Les mémomyrtilles. C'est vraiment. Du Canada. Voilà. D'accord. Ah, je me souviens. Du Québec, peut-être, plus que du Canada, non? Ouais. Je crois que c'est du Canada. Honnêtement, ça me bute d'avoir 2 PV et que personne n'arrive à me toucher, c'est incroyable. Oui, alors la ramène pas trop parce que si tu vas prendre un gros coup d'épée dans la gueule là. Non, j'esquive. Ah non. Ça s'appelle le karma, mec. En général, faut pas jouer, faut pas jouer avec. Ah là. Non. Oh bah finis l'autre et puis tu te casses. Après ouais, 35 PV, en vrai, il va crever l'autre. Hein. Je pense aussi, mais pourquoi je peux. Attends, je peux pas aller jusqu'à l'autre Hellfire. Non, t'inquiète, le Myrmidon va me raise. Non, mais je comptais pas aller vers toi. Non, mais Katox, je sais pas, je t'ai vu peut-être potentiellement essayer de m'aider, mais pas, hein, le Myrmidon va me raise. Ah bien, putain, c'est... ouais, je vais faire ça. Je crois qu'il va me soigner. La seule tentative, ce sera de faire ça. M'en fous. Sur un malentendu. Attends. Ça passe. Ça passe pas. Il m'a retouché. Je sais plus, ça me bute. Oups. Ah! Explosé, c'est incroyable. Bon, par contre, je faut vraiment me soigner parce que sinon, je suis mort. T'inquiète. Ah, mais Katox aussi, t'es par terre! C'est incroyable. Ah, on va mourir. Ouais, les mecs, c'était pas voulu, hein. Je vais pas mentir que là, je. Non, mais t'inquiète, y'a le Myrmidon, il va nous heal. Il est dans le silence, mais il va nous heal. Hein? Attends, je ah Arda, tu dis oui là, on est d'accord. Oui. Bon bah les gars, hein, je suis content de vous avoir aidé. Et non mais pourquoi tu tapes sur le gros Pabo? Bah parce qu'il est là. Je les contrôle pas, hein. Ah. Bon les mecs, je suis désolé. Incroyable, tout ça pour remourir dans l'explosion, ça va être incroyable. Oh, je suis désolé, mais j'avais pas. Y'a pas de problème. J'avais pas vu que vous étiez amusé à faire un petit tas de chair. T'inquiète, c'est le jeu, c'est le jeu. Allez, je vais essayer de tanker l'explosion, vous en TKT, ça va bien se passer. Par contre, il reste encore Martel le vivant là. Oui, alors Martel le vivant, oh. À mon avis, il va. Il est plus vraiment vivant. Parce que là, en fait, dans tous les cas de figure, il est un peu baisé, hein. On va là, pas le se mentir. Non, en fait, le problème, c'est que c'est à lui de jouer avant le Myrmidon, donc il va pouvoir se déplacer en fait. Alors, on va voir où il va. Si ce con il fonce dans la hausse, ça serait à mourir de. Ah non. Qu'est-ce qu'il veut? Oh merde, il a un cerveau. Bah écoute, j'ai réussi à esquiver. Ah non, c'est Arda qui m'a sauvé. Arda m'a sauvé. Oh, l'esquive! Bien joué ça de la part. Hey, let's go!
Ah ça va, j'ai pas pris si cher que ça. Le pote est pas mort, hein. Le Martel, le con là, il est pas mort, hein. Mais c'est mis juste entre les deux. Attends, merci pour le rez. Putain, incroyable. Tu dégages. Voilà. Bon alors, Katox, je te propose de foutre une potion de soin par terre. Ouais, j'arrive, attendez. Ah, c'est un t-shirt rest. T-shirt rest. Ah ouais, short rest. Voilà. Oh, allez, on est tout frais de neuf. J'aime les esprits qui se rencontrent là. Bon, je descends de là, moi, maintenant. Toi, tu... Alors, bah, peut-être que si quelqu'un pouvait, je ne sais point, moi, mettre peut-être. Un petit. C'est leur folle. Bon. Ouais. Oh, t'inquiète. C'est quand même dommage, hein, tous ces pauvres. Tous ces pauvres gens morts. Oh là là. Y'a vraiment pas de cœur Gortache, hein. Non, vraiment. C'est... Bah, c'est ça, c'est vraiment. Ouais, allez-y les mecs, hein, récupérez tout, foutez-moi dans, tout dans le sac, comme ça après je balance au camp. Mais non, il y avait un moyen super facile de descendre. Timber ça va pas marcher. Quelle tristesse. Puis déception. Maintenance du submersible. Les pièces du submersible dont la date de garantie était dépassée ont été remplacées hier. Les pièces du jagé ont été rapportées à la boutique pour être examinées afin de noter les points d'usure principaux et prendre les mesures préventives nécessaires pour empêcher tout problème technique à l'avenir. Voilà, donc c'est vraiment la fin d'une pub. Lecture. Ouais, ça c'est un peu. J'ai un ordinateur si jamais dans mon sac. Ah bah écoute, ça nous fait une belle jambe. Ah, mais ça nous sert strictement. Ah, rien, je ne peux rien en faire. Ah, l'impousse, le Biggs gardien. Eh, une lettre. C'est pour Arda ça. Tiens, Arda. Tu vas nous lire cette lettre. On compte sur toi. Putain, avec tout ça, ça m'a remis 1000 PV quoi. Ah, mais y'a un cadavre là. Y'a un zombie. Ouais, je vous invite à lire les. Les descriptifs. Coupée. Extraction de cerveau efficace. Hein ouais, Incroyable. Il va vous expliquer comment ça fonctionne en fait les. Oh, smoke powder arrow. Oh, incroyable hey, ça. Y'a plein de flèches, trop bien là. Envoie. Bah, moi aussi je tire des flèches. Moi aussi je tire des flèches, ouais, vas-y, c'est bon. Ouais, t'avais qu'à aller voir, merde, normalement t'es le premier à te jeter sur les loot. Bon bah là non. Hey toi t'as pas lu, t'as pas eu besoin de lire, tu sais ce qui se passe, moi je sais pas. Allez, t'as pas déjà des flèches en plus d'explosion toi? Le papier incroyable. Défense absolue d'ouvrir cette porte sans ma clé. Toute cette opération repose sur le fait de respecter cette règle, toute simple. Et si un crétin s'amuse à l'enfreindre, je lui trancherai personnellement la tête. Gantelet noir, un trib. J'ai très envie d'ouvrir cette porte. Ah, par contre, c'est pas dans la même carte. Alors, du coup, j'ai un peu moins envie. Ouais! T'es passé de l'autre côté, Katox, là? Ouais. J'ai trouvé des cerveaux en bocal. Vous avez tout loot là, dans la pièce? Je pense. Ouais, des parchemins, là, je suis en train de les lire. Comment construire un garde d'acier? Ah, ben voilà. Voilà, c'est bon. Alors, vous allez voir, le processus est, ma foi, ingénieux, même si un peu dégueu. Vas-y Katox, lis-nous ça. Donc la manière dont Gortache a détourné à son seul profit le projet de la garde automatique des Gondiens pour créer ses gardes d'acier est aussi remarquable qu'atroce. Il faut bien que quelqu'un raconte, ce sera moi. Extérieurement, le prototype de garde automatique ressemblait à ce qui finirait par devenir les gardes d'acier, si ce n'est que chaque garde automatique était conçue pour être pilotée par un individu de petite taille installé dans son torse. Quand Gortache a mis la main sur la fonderie par l'escroquerie et le chantage, il a détruit les plans existants avant d'annoncer ses gardes d'acier seraient dirigés à distance par le biais d'un centre de contrôle dédié. À l'époque, nous n'avions pas idée de ce qui comptait les contrôler. En associant la nécromancie des adorateurs de Mercule et les pouvoirs psioniques des Élitides. Voici dans le détail la manière dont on fait fonctionner. On décapite un zombie et on extrait son cerveau. Une larve est implantée dans l'audit cerveau qui est ensuite placée dans un bocal. À ce stade, il fait partie de l'esprit de la ruche de l'absolu. Le cerveau doté d'une larve est toujours en contact avec son corps mort-vivant sans tête. Ce dernier est alors installé dans le torse du garde d'acier auquel il est relié par de nombreux fils. Par la suite, l'absolu n'a plus qu'à envoyer ses ordres psioniques au cerveau en bocal, lequel transmet au garde d'acier auquel il est relié. Toutes ces communications télépathiques sont coordonnées par le neuronateur du centre du contrôle et lui, j'espère bien pouvoir faire en sorte qu'il ne fonctionne plus jamais. C'est sympathique. Ah t'as vu hein, attendez, vous pouvez parler au cerveau dans toutes les jarres, si vous voulez. J'en suis à un, il faut que je fasse un jet de sagesse, j'ai loupé une fois et je me demandais s'il fallait que je relance. Sinon ça va tuer une petite fille, voilà, je préfère vous prévenir.
C'est ça. Pas de pression, mec. Hein. Non, pas de pression, moi, jamais. Bah, je vais relancer, je pense. Peut-être plus faire pour la petite fille, quoi. L'optiote. Attendez, j'ai perdu ma chance. Je vois pas ton jet. Ah, bah là, j'ai fait un échec critique, donc du coup. Oui, rejeter peut être. C'est ça. Bah, putain, j'ai fait 23, fallait faire 25. Et... Ah, et la petite fille, elle est. Bah, après, en même temps, le truc, c'est que j'ai que plus 5, quoi. Donc, 25, faut que je fasse 20. Donc, en même temps. Oui. Après, j'avais plus 5 quand même, c'était pas si pire. Je vais pas. J'utilise toutes nos inspirations ou tant pis? Bah, je sais pas, moi ça me dérange pas plus que ça, il y en a combien? Bah, il m'en reste plus qu'une. Bah, moi je. Ok, pour sauver la petite fille, les autres, je sais pas. Il a dit oui, j'ai cliqué. C'est loupé, j'ai. Putain, deux échecs critiques en 3G quoi, bien joué. Ah, bah, bien joué. Ouais, vaut mieux le consommer maintenant, non, mais voilà, c'est. Oh non, la pauvre petite fille, elle va crever. RIP. Thank you, sir. Come on, kids. Grab your bags. Hurry. You were kicked from the Watcher's brain. The family runs into Baldur's Gate. Bon, après, on peut péter. On peut péter tous les cerveaux à la main, comme ça au moins. Clairement. Bonne idée. Allez, ça dégage. J'ai essayé de comprendre un mécanisme impie. Encore un truc des xénos, ça. Voilà, la dégage, la vermine. Allez, voilà, saleté de xéno, là, cassez-vous avec vos cerveaux bizarres. C'est pas trop vite, il y a des Steel Watchers. Bagarre. Oui, mais positionnez-vous. C'est bagarre. Oh, le bat. Le marteau, il est prêt. Tu veux pas sauvegarder, Katox? Attends, il y a peut-être. Ah, moyen... sauvegarder avant de rentrer dans la pièce. Alors. Il y a peut-être juste moyen d'y aller en fufu et de poser la bombe derrière eux sans qu'ils s'en rendent compte. Je vous inviterai à vous soigner, messieurs. Ah ouais? Ouais, soignez-vous. Putain, j'ai plus de spell. Bah, t'as pas une potion de repos de l'ange? Non, il faut une repos. Une méga cossotte, lui. Ouais, mais j'en ai une. Repos angélique. Je crois que j'en ai même deux. Sinon on sort de la fonderie et il fait un long repos. Bah non, il peut prendre une potion. C'est triché, scinder la pile d'objets, tiens. T'as beaucoup des trucs. Oui, attends, c'est accorder un court repos. Ah non, c'est un court repos. Non, mais moi j'en ai des. Accorder un long repos, t'en fais pas. J'en ai plusieurs. Tout va bien. Et là on l'attaque pendant qu'il dort, let's go. On lui fait les poches. Ça va mieux? Oui. Est-ce qu'il vous reste des petites potions ou pas? Ouais. Je veux bien une petite potion de soin pourvu que j'ai 20 PV à la gêne là. Ah, tu me diras, j'ai ça. Non, mais c'est bon. Voilà, les 133, ça sera ok. Non, sinon, tu pourrais pas taper une caisse? Alors, à vrai dire, j'ai pas pensé. pas te mentir, j'y ai pas pensé. Parce que je peux tester un truc. Attends, parce que. Ce sera juste test. Ah non. Voilà. Ça déclenche d'office le combo. Ouh, il est mignon. Alors, comment vous dire que là... Oh oui. Je suis dans la merde. Moi, je suis pas au combat, perso. Mais attends, je vais essayer de ne pas être en combat. Ouais, à mon avis, je vais être en combat. Ouais, c'est fait chier, merde. Bon, attendez, hein, je suis pas en combat. Non, immunité contre psy, résistance au feu... Oh merde, j'ai pas mis la bonne amulette. Ah oh, chier. Tu veux que je charge? Ah, c'est ballot. Non, t'inquiète, c'est bon. Alors. Parce que c'est vrai qu'en plus. C'est 54 minutes si on se lançait dans ce combat au prochain épisode. Ah, et on peut relancer. Le cliffhanger de folie, incroyable. Unbelievable. Bon, on fait des bisous. Ouais, des bisous tout le monde. Allez, ciao. Des bisous.